Un rendez-vous de travaux manuels. Ici, les enfants sont réunis pour redonner une autre vie aux objets recyclés qui polluent l'environnement. Occasion idéale pour dénoncer l'utilisation des sachets plastiques. Une séance comme ça nous amène à la fin à avoir des ambassadeurs, des enfants éco-citoyens qui comprennent qu'il ne faut pas jeter, qui comprennent qu'à la maison, ben, ils doivent veiller même à ce que leurs parents n'utilisent pas de sachets plastiques. Et donc pour nous, quand on parle de protection de l'environnement, il faut passer absolument par les enfants. Des enfants qui visiblement sont prêts pour le combat. Les sachets, c'est dangereux et qu'il faut arrêter de prendre des sachets, qu'il faut arrêter aussi de les jeter dans la rue. J'ai retenu que les sachets, il ne faut pas les jeter dans la rue parce que des fois, ça nous tue. Quand on jette un sachet, ça nous tue et ça prend 400 ans à se dégrader. Il ne faut pas jeter et arrêter. Une séance de sensibilisation qui s'ajoute aux activités de la semaine de la diplomatie climatique organisée par l'Union européenne. C'est les enfants qui sont là, qui devront prendre en compte les erreurs que nous, les adultes, on fait aujourd'hui, parce que c'est eux qui devront trouver les solutions et trouver la créativité pour résoudre ce problème que nous-mêmes on crée, aussi bien pour la nature avec les sachets que pour le changement climatique. Et ce lieu aussi est important pour nous parce qu'il symbolise la problématique de la ville, la problématique de la jeunesse, les villes qui sont croissantes, qu'il faudra gérer. Et c'est un combat qu'on mène ensemble avec les autorités. La séance a aussi permis d'exposer quelques objets fabriqués par les jeunes du quartier Akwakwa Dodomé et ses enfants, déjà de vrais défenseurs de l'environnement, à l'instar de la jeune militante écologiste Greta Thunberg.